Hey, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au sentier récréatif Portneuf, moment de filmer ces images. On est à l'automne 2020, ça doit être une des dernières journées de l'année. J'ai profité pour faire un petit peu de bike. Et pour vous, au moment de regarder ces images-là, on risque d'être au printemps 2021. Je ne sais pas comment a été l'hiver, je me doute qu'elle a été très longue, très froide, beaucoup de neige. Et je me doute que vous avez une chose en tête qui vous tente énormément, c'est de prendre vos bikes et d'aller rouler dans les trails. Mais, juste avant, je vais vous arrêter. Il y a un petit quelque chose que je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais c'est super important. À chaque début d'année, au printemps, la plupart des centres de vélo de montagne vont faire des petites annonces sur leurs réseaux sociaux, principalement Facebook et compagnie. Et ils vont demander une chose aux gens. Ils vont demander, s'il vous plaît, n'allez pas rouler les trails tant qu'on n'aura pas donné le OK, tant que les trails ne seront pas ouvertes officiellement. Donc, si vous prenez votre bike et que vous allez rouler lorsque la neige vient juste de fondre, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez faire des roulières dans les sentiers. Maintenant, il y a énormément de temps, énormément de travail, énormément de capital qui sont mis dans les pistes pour les mettre belles, pour les mettre roulantes, pour faire qu'est-ce qu'on veut faire avec cette piste-là, que ce soit un potentiel de vitesse, un potentiel technique, un potentiel des deux même. Donc, si vous prenez votre bike et vous allez rouler, si vous faites une roulière dans les pistes, les centres de vélos de montagne vont avoir à réparer ça. Et je vais vous donner l'exemple d'un centre que je nommerai pas le nom, c'est pas important. Mais au printemps 2020, ce centre-là a encore une fois fait une annonce, s'il vous plaît, n'allez pas rouler. Et il y a une personne qui a décidé d'aller quand même. Il a fait une roulière de à peu près 2 pouces de profondeur dans les trails. Et cette roulière-là faisait 5 km de long. Ça l'a endommagé pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, cette piste-là. Ça l'a pris plusieurs semaines à la réparer. Ça implique que plusieurs personnes allaient travailler dedans avec les quatre roues, les outils qui amènent du matériel, parce que ce n'est pas tous les endroits qu'on peut avoir de la belle terre. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça retarde l'ouverture des autres pistes. Tu comprends que vous pouvez dire, ah, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Oui puis non. Tu sais, il y a certains centres qui ont un petit peu plus de budget. Certains vont avoir des subventions de la part du gouvernement, mais certains centres sont des organismes à but non lucratif qui sont runnés par des bénévoles. Et s'il y a plusieurs semaines de plus de travail à faire pour ouvrir les sentiers, ben, ces trails-là ne vont pas ouvrir très, très tôt dans le printemps. Le centre en question, je crois qu'ils ont ouvert 3 semaines plus tard juste à cause de cette piste-là, à cause d'une personne qui est allée rouler sans avoir le hockey. Ça fait que si vous avez un besoin urgent de sortir de la maison, d'aller dans la forêt, d'aller dans le bois, d'aller dans les trails, il y a une chose qui peut être super constructive, qu'on peut faire tous ensemble, c'est que à chaque début d'année, les centres du Québec organisent des corvées, qui sont en gros des journées de bénévolat. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux de votre centre de vélo de montagne favori, souvent, quelque part au mois de mai, ils vont organiser une petite demi-journée de bénévolat. Ils vont demander aux gens de venir donner un petit coup de main. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez trouver cette date-là, prendre vos outils, aller rejoindre les gens. Si vous n'avez jamais fait de trail building, ils vont vous montrer comment faire. Souvent, on va souffler les feuilles, on va enlever les arbres qui sont tombés dans les pistes, on va refaire les sauts, refaire les virages. Moi, personnellement, je viens donner du temps depuis 5 ans ici au sentier récréatif Portneuf. On vient ouvrir le bike park, on met toutes les pistes belles, après ça, on sort les bikes, on se prend une petite bière, on roule tout le monde ensemble. C'est super le fun. C'est un moyen incroyable de connaître des nouvelles personnes, connecter avec votre communauté, puis redonner un petit peu à ces réseaux de sentiers-là qu'on aime du fond du cœur. Le but, ce printemps 2021, c'est qu'il n'y ait aucun centre qui se fasse détruire leur trail, et il y en a encore trop. À chaque début d'année, à peu près tous les centres vont avoir une piste qui va se faire briser parce que les gens sont trop pressés. Fait que tous ensemble, faisons passer le message, travaillons fort pour garder nos sentiers en état et s'assurer la pérennité de nos sentiers de vélo de montagne au Québec. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une magnifique saison 2021 et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut guys, bonne saison.